jamais d'humour. La vie c'est pas gentillesse, je prends jamais la joue, c'est ma devise pour progress. C'est mental official, face et courage mal. Je n'aime jamais d'humour, la vie c'est pas gentilleuse, je prends jamais la joue, c'est ma devise pour progress. C'est mental official, face et courage mal. Faire vivre mes rêves, y'a personne qui m'en empêche. Je testerai la vie avec ou sans anti-séchelle, ma mouette. Ok, bonjour Sir Samuel. Peux-tu bien te présenter en quelques mots pour les internautes de Neones.fr, s'il te plaît? Eh ben, je m'appelle Sir Samuel, j'ai 33 ans, je faisais partie du Science ou pas crew. Et je suis à mon deuxième album. Le premier s'appelle Visé Plio, il est sorti en 2005. Et en septembre prochain, je sors Galerie. J'ai fait partie du Science pendant 10 ans. Avant qu'il se démantèle, j'ai sorti un album au sein du Saiyan en solo qui s'appelait Visé Plus Haut. Et à côté de ça, avant, je faisais partie d'un groupe qui s'appelait Enfant des Îles avant de rencontrer le Saiyan. Et j'ai participé à l'album de Fefe, le dernier album, Gens à la retraite. Et voilà, j'ai fait la réalisation pour un artiste belge aussi qui s'appelle Pablo Andrés. Okay. Et donc voilà, je me suis penché un peu. Derrière la caméra et pas devant la caméra avant de revenir sur mon album solo. Okay. Puis j'ai fait cet album là, je l'ai fait dans cette conception d'arrangement, de faire écouter, de faire participer des gens, pour essayer. Ça n'a pas été compliqué de repartir comme ça sur de nouvelles bases? C'est très compliqué. Artistiquement non, jamais, parce que c'est un plaisir, ça reste une passion. Donc, mais après, à faire promouvoir sa musique, ouais, ça a resté compliqué. Bon, je me suis bien tapé. Je me suis bien entouré, je fais partie d'un label qui s'appelle Almighty, je suis actionnaire dans ce label. Okay. Donc ça m'a permis d'enregistrer mon album, de financer mes clips, ce label-là m'a permis tout ça, avant de trouver une signature maison de disque. Okay. Donc j'ai aussi pu avoir ton expérience dans le milieu de l'indé quoi aussi. Quand même, ouais. Okay. J'ai eu une bonne expérience, ça a pris tout ce temps en fait. Okay. Quand tu es lâché par la maison de disques, et en fait il y a tout un parcours du combattant qu'on ignore quand tu es au sein d'une maison de disques, c'est toutes les déclarations, toutes les autorisations pour exploiter ta musique, quoi. Et donc je me suis penché là-dessus et c'était pas... Face à moi-même j'ai vu l'ampleur des dégâts. Je voulais lâcher l'affaire avec le son plus d'une fois, mais je donne jamais du mou. Dans le son malgré le chaos, je fais les choses au carré. Plop, quand je rentre je veux tuer les carrés. Prendre des coups, ça m'a appris à écrire plutôt que plier. Ma douleur dans le ventre plutôt la crier que la maquiller. Non. En fait j'ai appelé mon album Galerie, tout simplement parce que déjà après le Saiyan j'ai fait une introspection entre guillemets, tu vois, pour chercher ce qui me correspondait artistiquement, ce que je voulais faire, etc. Donc il y a eu toute cette période un peu floue où je me cherchais. Et donc je me suis un peu fouillé, entre guillemets. Donc j'ai appelé Galerie pour ça. Et la deuxième part, c'est que j'ai essayé d'imager mes chansons, soit dans le texte, mettre la musique en rapport, c'est-à-dire, à mon sens, hein, mettre la musique en rapport avec mes paroles, ou l'inverse, c'est-à-dire mettre les paroles en rapport avec ce que la musique. C'est-à-dire, donc le processus était comment? Tu avais des instrus ou des musiques et après tu t'écrivais? Certains. Tu avais déjà des... En fait, ce que j'ai fait, c'est que je travaille avec un concepteur qui s'appelle Guyver Eichmann. Il m'envoyait des sons. Des fois, j'écris sur ces sons et après, je refais le son. C'est juste pour écrire que j'ai besoin de son de l'impulsion. Et après, c'est-à-dire que tu pouvais écrire sur ces musiques et après toi refaire carrément une autre chose, pour encore plus soutenir mon propos. Okay. Parce que je trouvais qu'il y avait eu l'impulsion sur sa musique, les messages entre guillemets subliminaux qui m'indiquent d'aller sur tel ou tel thème. Et ensuite, j'avais le loisir de changer la musique pour approfondir ce thème. Donc j'ai fait ça. Les thèmes abordés, c'est y a mon hall par exemple. Je parle des conditions d'un dealer et d'un vrai qui est posté là dans la cité. Et j'explique. Quand tu dis d'un vrai, c'est-à-dire des vrais, des faux. Non, mais ceux qui sont souvent, je veux dire, décrits dans les médias, ils sont un peu stigmatisés. Ouais, c'est pas que ça. Il y a des mecs vachement discrets. Il y a des mecs qui font depuis longtemps et c'est pas spécialement reluisant comme ils le disent à la télé en citant des sommes astronomiques. Ils gagnent tant par mois, ils gagnent tant par jour. Donc c'est l'aspect plutôt du dealer qui lui n'a pas trop d'alternative à ça et qui... Exactement, et qui est sur le terrain et qui est pas spécialement un terrain très reluisant
bien qu'on puisse penser que c'est de l'argent facile, etc. Donc il y a ce thème-là. Il y a m'évader qui est, quand j'ai, moi j'ai eu mon premier enfant, je l'ai eu à 19 ans. Okay. Et m'évader qui parle de l'alternative entre continuer sa vie de bonhomme, de jeune de la cité, entre guillemets, qui teste un peu tout, ou prendre ses responsabilités. Donc c'est 10 ans après que j'ai pu écrire cette chanson, donc comme quoi ça demande quand même maturation avant de prendre la décision d'avoir un enfant. Et puis c'est un thème que tu peux peut-être pas forcément aborder quand tu étais au sein d'un groupe, c'est un thème qui est personnel. Exactement, ouais, voilà, exactement. Il y a beaucoup de choses personnelles dans cet album. Il y a Sécher tes larmes qui est sur les méandres de ce qui peut constituer un couple, la jalousie, la tromperie, ça. Okay. Donc voilà, c'est les thèmes que j'ai croisé de près ou de loin, et en tout cas. Donc il y a quand même une bonne part de vécu. Généralement, tous les titres, ils sont inspirés de vécu. Je donne jamais d'humour, la vie c'est pas gentilleuse, je prends jamais la joue, c'est ma devise pour progresser. C'est quand à l'official, passez courage si mal. Je donne jamais d'humour, la vie c'est la vérité, elle te teste quand tu veux la tester. En featuring, il y a mon compère Fefe, il y a Little Dan qui est un chanteur de reggae, et il y a Busta Flex qui est un excellent rappeur que j'ai invité sur un morceau qui s'appelle Carnaval, où dans le morceau on exprime qu'on en a marre de tout cet apparat, le rap trimballe, les grosses voitures. C'est clair qu'on va pas rouler en 4L, mais je pense que on ne roule pas dans le centre-ville de sa ville avec un gros 4x4, etc. Donc voilà, c'est-à-dire c'est un thème anti-bling-bling ou c'est comment c'est, non, c'est pas un thème anti quelque chose, c'est un thème promotion de soi, promotion de ce qu'on est, de ce qui nous constitue, de faire tomber un peu les masques, comme je dis dans la chanson, de faire tomber le masque. Et c'est beaucoup moins fatigant de se proposer tel qu'on est que d'avoir une armure et finalement après l'enlever. Parce qu'elle est lassante, et finalement elle est lassante pas que pour la personne mais aussi pour les gens, je pense. Donc il faut mieux se proposer tel qu'on est. C'est ce que la chanson. Donc c'est pas anti-bling-bling, c'est ce que la chanson explique. D'accord. Et donc j'ai travaillé avec des musiciens, franchement des gros musiciens, avec Michel Alibo à la basse, avec Stéphane Goldman à la guitare, et comme réalisateur j'ai eu Johan Dalgard qui est un claviériste. Et voilà, lui m'a apporté énormément. Ça, c'est des gens que tu avais déjà rencontrés au cours de ta carrière, ou c'est des nouvelles C'est des gens que j'avais rencontrés indépendamment, et c'est grâce à mon premier label. En fait, j'ai signé dans un premier label qui s'appelait Black Stem. Ils ont sorti une compilation qui s'appelait Musico à l'époque. Et ça s'est mal passé avec Black Stem. Et par contre, ils m'ont présenté ce parterre de musiciens, et ils m'ont mis à disposition ce parterre de musiciens pour finaliser l'album. Ok, d'accord. Maintenant, il y a aussi une question que beaucoup d'internautes vont se poser. Toi qui es membre du Sayan Supa Crew, est-ce qu'il y a encore, hormis Fefe, avec qui apparemment tu as collaboré sur son album et réciproquement lui, est-ce qu'il y a encore des collaborations qui sont possibles avec les anciens membres du Sayan? Là, pour le coup, est-ce que vous êtes resté encore en contact, ou vous en êtes un peu, même si le groupe n'existe plus? Moi, je pense que tout le monde se suit quand même, tu vois. Après, il y a des fractures qui sont irrémédiables. Donc, au-delà de la musique, la scission du groupe, c'était aussi sur un plan relationnel. D'accord. Bah oui, sinon. Bah ouais. Et après, quand le relationnel il est touché, difficile de réunir les gens en studio, de réunir les gens sur scène ou dans un bus de 9 mètres carrés. Il faut s'entendre pour ça. Ah ouais. Mais au-delà de ça, donc il y a Fefe, mais sinon, il n'y a pas d'autres membres. Il y a Sly qui est venu à mon concert. Moi, je vais au sien. Donc, il y a toujours ce respect artistique, quoi, chez chacun, je pense. Hein. Puisque, quand même, si on s'est mis ensemble, c'est parce qu'il y avait ce respect artistique. Donc, je pense qu'il y est toujours. Et que c'est le relationnel qui a manqué à un moment donné. Exactement. C'est peut-être banal, mais c'est comme ça que je progresse. J'apprends de mes erreurs, plus fort sera le succès. Alors, au max, j'ai le coup, je veille par les coups. En solo ou en crew, nous, on nous cherche le pouls. J'avance tête baissée dans ma vie, dans mon business. J'suis pas à l'affût d'être le best of the best. Faut que la foule réceptive chante avec moi. Faut que ma famille me supporte avec foi. J'donne jamais d'humour. Ok, c'est l'homme qu'on appelle Sœur Samuel pour Neoness.fr.
Ce que demande le peuple, c'est juste un classique. Et peu importe le thème, tant que c'est un classique. Tu veux du et du bon et pas du plastique. Non, tu ne trouves pas mon son dans tous les trafics. Et les souvenirs ont du bon, critique ou magique. Quand il y a de bonnes vibrations, les briquets s'agitent. Oh yo yo, aïe aïe aïe. Moi quand je vois ça, ça me rend fada. Et on veut des choses originales, avec une histoire, un fond et un style. De la passion, de l'intégrité. Voilà comment s'installe un classique official dans les annales. Souvent quand je suis dégoûté, je pose une galette de Capleton. Prophétie, le tout premier album, quand je veux gagner en sensualité. Je pose une galette de Frankie Paul, provoquant une totale perte de contrôle. Troule, troule. Ce que demande le peuple, c'est juste un classique. Et peu importe le thème, tant que c'est un. Tu veux du shit et du bon et pas du plastique. Non, tu ne trouves pas mon son dans tous les trafics. Et les souvenirs ont du bon, critique ou magique. Quand il y a de bonnes vibrations, les briquets s'agitent. Oh yo yo, aïe aïe aïe. Moi quand je vois ça, ça me rend fada. Big up à Néonès. On te remercie, Sir Samuel, et puis on te souhaite une bonne continuation pour merci à vous. Et la suite des événements portants. Bah, j'espère que l'album va sortir comme il se doit en septembre. Mm-hmm. En attendant, je vais faire quelques dates ponctuelles. On retrouvera les dates sur mon Facebook, Sir Samuel officiel, machin. Ok. Et bah voilà, il y a le clip Sécher tes larmes qui arrive, le single qui arrive. Je suis heureux de revenir sur scène en tout cas. Mm-hmm. Et bah voilà, j'espère vous voir en concert. Bonne okay. À tous. Bah, bonne chance à toi. Merci. Ciao. Ciao. La vie c'est ma gentillesse, quand jamais la joue c'est ma devise pour progresse. C'est mental official, face et courage mal. Donne jamais d'humour. La vie c'est ma gentillesse, quand jamais la joue c'est ma devise pour progresse. C'est mental official, face et courage mal. Y'a pas le choix, faut de la rage. Faut du cran, faut jamais rester dans le fond. Pleurer sur son sort, faut zapper tout le monde s'en fout. Tendre l'autre joue, hein. Peut-être un autre jour, hein. Pas le choix, je sais que me bat. J'suis en guerre, hein. La vie est une flèche, lutte pour en guérir, hein. Lutte pour espérer, lutte comme un James Carey. Lutte, lutte dans le noir, fous des patates pour m'éclairer. J'ai la...